Bonjour à tous, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ma petite livraison du jour. Alors, je vais commencer par des petites figurines pop. J'ai reçu trois modèles traditionnels en dimension 9 cm, 9 cm et demi, la dimension traditionnelle. Donc, j'ai reçu Freddy Krueger, le Batman de Arkham Asylum et Darth Vader. Donc, je vais vous faire voir de plus près. Hop, j'ai trouvé Freddy Krueger vraiment très très beau. Alors attendez, hop, voilà. Donc toc, c'est la numéro 224. Il est vraiment magnifique, je trouve. Freddy Krueger, hop. Le Dark Vador, qui est ici. Donc je suis désolé, hein, ça fait des petits reflets. Il faudrait que j'ouvre la boîte pour vous faire voir, mais bon. Donc voilà, Darth Vader, hop, le Batman de Arkham Asylum. Il est très très beau aussi, je trouve. De toute façon, c'est vrai que les figurines pop, c'est tout bête, mais moi j'adore. Dans les petits porte-clés, je vais vous faire voir les deux petits en même temps. J'ai Freddy et Chucky. Ils sont vraiment très très beaux aussi. Donc c'est des petits porte-clés, bon vous le voyez hein, de toute façon par rapport à la taille de mon pouce, hein, ça fait je sais pas 4 cm et demi, 5 cm peut-être. Donc voici Freddy et donc le Chucky avec son couteau, ses cicatrices, la petite poupée que vous connaissez bien. Donc voilà, ça c'était un tout petit arrivage. J'ai reçu un réassort de tapis Netrunner, les autres étaient toujours en stock. Donc là c'est le modèle Feedback Filter. C'est donc celui-ci. Donc ça, c'est revenu en stock. J'ai reçu, comme vous pouvez le voir ici, plein de petits paquets de jeux de chez FFG dans la gamme LCG. Donc j'ai reçu le dernier paquet Star Wars VO qui s'intitule Solo's Command. Je vais vous faire voir voilà, la petite couverture. Très très beau. Donc ça, je ne sais pas si ça clôture... le cycle d'Andorre. Je crois que ça clôture le cycle d'Andorre. C'est vrai que je joue pas à Star Wars, malheureusement, je peux pas jouer à tous les jeux, mais il me semble que c'est la fin du cycle d'Andorre. J'ai reçu le tout dernier paquet Conquest, qui lui démarre le tout nouveau cycle. Donc c'est le premier Warpack du cycle, comment il s'appelle ce cycle-là, Planetfall Cycle. Donc vous voyez la couverture, Conquest. Decree of Rune. C'est très très beau. Et j'ai reçu le tant attendu. Alors il était vraiment, vraiment attendu celui-ci. Game of Thrones, le tout premier chapter pack qui s'appelle Taking the Black. Et c'est le premier chapitre du cycle Westeros, le Westeros Cycle. Donc on retrouve une vingtaine de cartes à l'intérieur différentes. Ouais c'est ça, 20 cartes différentes à l'intérieur. Donc je me suis pris mon petit paquet à moi, mais je vais pas tout vous détailler en détail ici. Voilà, je ferai une petite vidéo rien que sur ce petit pack là. Donc vous avez, je crois qu'il y a deux cartes par maison. Donc vous avez deux cartes garde de nuit, vous avez deux cartes pour les Stark, une, deux. Donc à chaque fois en trois exemplaires, hein. Vous avez la maison Tyrell, hop, 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 une deuxième carte pour les Tyrell. Bon voilà, je vais pas tout vous détailler, mais vous retrouvez donc les Baratheon, Lannister, ça c'est les Greyjoy, ça c'est les Targ, vous avez Martell, et vous avez des cartes neutres, avec un nouveau complot, un nouveau plot, deux nouveaux plots même. En fait, oui, maintenant ce qui se passe, c'est que regardez, vous avez des complots qui sont affiliés à chaque maison. Donc vous en avez eu un ici pour les Greyjoy, un pour les Martell, et vous avez un nouveau neutre. Voilà, vous avez des cartes neutres comme d'habitude qui peuvent s'allier à toutes les maisons. Donc je ferai une petite vidéo détaillée sur ce pack-là, bien que je ne sois pas un expert de ce jeu, loin de là. Mais en tout cas, je l'aime bien et voilà, je vais me prendre mon petit pack et puis je regarderai ce qu'il y a à l'intérieur tranquillement avec vous. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu un petit peu de réassort d'accessoires.
les protections de cartes Arcane Tinman, donc dans des dimensions diverses et variées. J'ai reçu de la taille standard, les sleeves font 63 par 88. Je l'ai reçu de la petite mini jaune pour les jeux de plateau. J'en ai reçu également en FFG, j'ai reçu de la protège violette, de la protège verte au format board game américain et de la toute petite mini jaune qui est vraiment ultra demandée celle-ci. J'en ai pris beaucoup pour en avoir un petit peu d'avance parce que c'est à chaque fois sans rupture et c'est un petit peu compliqué à en retrouver rapidement. Donc ça pour info, c'est de la mini américaine board game size, ça fait 41 par 63. Donc là j'en ai reçu pas mal et ça va être sur le site là tout de suite maintenant. J'ai reçu une petite boîte de rangement 4 compartiments Dragon Shield, donc ça c'est pareil, j'ai plein d'autres couleurs mais ça c'est juste un petit réassort. Et j'ai reçu donc un portfolio avec une couverture dragon qui permet de ranger 480 cartes et vous avez 4 rangées de cartes et non 3 comme ceux qu'on connaît habituellement. Donc c'est très bien si vous jouez à des jeux où il faut 4 copies d'une même carte pour ranger votre playset directement sur la rangée. Donc voilà, c'était une toute petite livraison. Normalement, je vous ai tout fait voir. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire voir que j'avais reçu les paquets Taking the Black pour Game of Thrones. Enfin. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Salut!